Bonjour et merci à vous d'avoir accepté cette invitation, puisque nous sommes en plein dans l'examen de ce texte et qu'on est impatient de savoir ce que vous en pensez et d'avoir vos commentaires, vos précisions, vos remarques. Je ne vais pas faire plus long. Hein. En tout cas, merci pour l'invitation, parce que nous, on pense que c'est important aussi qu'il y ait des échanges, parce que, avec la CGT, les autres, mais côté fonctionnaire, parce que comme j'ai eu déjà l'occasion de le dire à monsieur Bernalicis, c'est qu'on entend beaucoup les magistrats et la position des magistrats, et que en revanche pour l'impact sur bon, c'est le greffe, c'est ça reste vague, c'est le greffe. Et pour autant, il y a une spécificité au travail du greffe. Je reste générique. Et donc, après ces remerciements, c'est pour vous dire, donc moi je suis greffier au tribunal de Bobigny, donc tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire à cause de la réforme, la précédente réforme de la justice. Portée par Madame Belloubet. Et donc j'y suis depuis 2010, dès la sortie d'école. Et, je suis secrétaire général de la CGT des chancelleries et services judiciaires depuis 2019. Voilà. Ferréol, je te laisse te présenter. Oui, merci. Alors, moi j'ai un peu plus bougé que Cyril, donc j'en suis en cinquième poste. Je suis actuellement affecté au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, et je suis directeur des services de greffe judiciaire. Ça, c'est le nouveau statut pour les anciens greffiers en chef depuis 2015. Le secrétaire national du syndicat. Alors, sur la loi, donc le projet de loi donc qui vient d'être voté au Sénat, avec encore plus de recul que prévu, notamment en tout cas pour les magistrats. Je pense que vous avez dû passer voir le communiqué dont nous sommes co-signataires sur l'atteinte à la liberté syndicale. Donc là, je ne sais pas ce qu'il sera possible de faire à l'Assemblée nationale. Normalement, le rapporteur, je me permets de vous dire, c'était Didier Paré qui est un des rapporteurs qui a exprimé son souhait de vouloir retirer cet article premier qui est catastrophique. Donc c'est un peu, c'est rassurant. Oui. Ouais, on est un peu rassuré par cet élément-là. Oui. Même si, tant que c'est pas enlevé, on n'est pas rassuré. Ouais. Voilà, oui. Parce que ça, en plus, on a un peu l'habitude. Le dernier coup bas, c'était à l'Assemblée nationale et c'était piloté par le gouvernement et le ministère de la Justice. Ça a été, justement, je vous disais que le TGI était devenu TJI, et c'est la fusion des tribunaux d'instance et tribunaux de grande instance. Et par un amendement que l'on qualifie de scélérat, ils ont fusionné également les greffes des conseils de prud'homme avec les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance. Ce qui fait qu'il n'y a plus qu'une petite dizaine de conseils de prud'homme qui sont autonomes et indépendants des chefs de juridiction, magistrats professionnels qui n'en ont pas grand-chose à faire du droit du travail et des conditions des travailleurs. Et donc voilà, le procédé par amendement pour. Parce que ça fait quand même suite à. Dupond-Moretti qui demande un rapport au CSM, etc. Ouais, c'est des attaques incessantes contre le monde judiciaire. Donc on en parlera pour nos statuts également. Donc il y avait ça, et il y a tout un tas d'autres éléments. Sur la partie enquête et instruction notamment, où quand je vois les argumentaires pour les nouveaux reculs, c'est assez catastrophique. C'est pour les perquisitions en pleine nuit qu'on nous explique, c'est parce que c'est trop restrictif.
Ah, du coup, il faut élargir. Ben oui, mais c'est justement l'atteinte, elle est telle qu'il faut absolument que ce soit restrictif. J'ai même vu à un moment écrit bah, parce que c'est mieux comme ça, il vaut mieux que ce soit comme ça. Alors, à peu près. Mais c'est le niveau, il est bas et c'est inquiétant donc pour les libertés publiques. Il y a aussi l'activation des téléphones portables à distance avec le contrôle du juge des libertés de la détention. Alors, moi, je vous disais que j'étais à Bobigny. Plus spécifiquement, je travaillais à l'instruction. Et dans notre organisation syndicale, on n'a pas de permanent syndical qui ne serait pas dans les services. Donc je, hier encore et demain, je serai dans mon service à l'instruction. Et récemment, lors d'une permanence avec ouverture d'un dossier à l'instruction, il y avait justement alors, des balises qui avaient été posées, enfin tout un tas de dispositifs intrusifs et attentatoires aux libertés, et il y a le contrôle du juge de la liberté, des libertés de la détention. Moi, le dossier, c'était une catastrophe parce que le dossier est suivi par le parquet. C'était le JLD avait vu ça, mais il était en train d'apposer sa signature le jour même de l'ouverture sur le retour des documents, des autorisations. Enfin, c'est le contrôle, il est théorique au niveau textuel, non procédural, mais dans les faits, il y a une telle charge de travail. Et par ailleurs, le SM a pu vous le dire, mais il y a une, on n'arrête pas de donner de plus en plus de compétences au JLD en matière d'atteinte justement aux libertés. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on déspécialise certaines matières qui devraient rester des matières spécialisées, hein, sur le droit des étrangers notamment. Et donc on le surcharge et ça rend le contrôle vraiment juste théorique. Donc c'est quand même problématique en termes d'atteinte au droit, et surtout là, dans le canard enchaîné d'hier sur le rapport concernant les écoutes, là, je suis désolé, je n'ai pas le nom de la commission Théodule en tête, mais qui ne contrôle pas réellement, enfin, en tout cas qui n'a jamais porté plainte ou qui n'a jamais porté l'affaire devant la justice parce que oh, c'est pas grave, bon, ça arrive, les erreurs, ça arrive. Donc il y a en la matière vraiment des grosses difficultés, mais je vous le dis, j'ai oublié de vous le dire, sur ces dispositions-là, on vous enverra quelque chose d'écrit aussi. On n'a pas eu le temps de le faire parce qu'il y a une actualité, nous, dans les greffes, concernant les greffiers, qui nous prend pas mal de temps. Et on y reviendra. Mais voilà, quand même. Sur le calendrier, je ne vous l'ai pas dit, mais donc le texte va être examiné en commission mercredi prochain. Voilà, le 21, sur plusieurs jours, 21, 22, possiblement on reprend le lundi d'après, ça doit être le 25, le 26, voilà. Et ensuite en séance début juillet. D'accord. Ouais, parce que c'est en procédure accélérée. Oui, encore. Le délai de dépôt, c'est demain pour la commission, le 16, et le 30 pour la séance. Alors. Je te laisse prendre la suite, Ferréol, là. Ouais, je vais intervenir sur deux points qui impactent directement les grèves. on a été, entre guillemets, pseudo-consulté sur le projet de loi, donc en CSA ministériel, donc avec un débat qui a duré deux jours, qui a été fort sympathique, hein, parce qu'on, juste pour remonter un peu le temps. Il faut savoir qu'en fait, le seul premier espace de concertation qu'il y a eu sur le projet de loi et son contenu, ça a été en instance ministérielle. On n'a jamais eu de débat de fond auparavant. Voilà, enfin, ça, c'est ça, je pense que c'est quand même important. Alors qu'il y a quand même un ensemble de problématiques qui impactent directement les greffes. Donc, notamment, il y a d'abord l'article 11.
Qui prévoit la création d'une mission d'attaché de justice. Ce qui veut dire, c'est que le garde des Sceaux, en décembre 2021, il avait annoncé que qu'il y aurait des évolutions sur les greffiers. Parce que actuellement, on a les greffiers des services judiciaires, mais en 2015, le ministère avait décidé de la création d'un corps qui s'est un peu glissé, enfin un corps, on va dire un statut entre guillemets, qui s'est glissé entre les greffiers et les magistrats, donc c'était ce sont actuellement les juristes assistants. Et en fait, qui venait empiéter sur les missions des greffiers, donc c'était l'article 4 du statut des greffiers qui prévoit notamment que les greffiers assistent les magistrats. Sauf que donc le ministère a décidé de nommer des juristes assistants qui assistent les magistrats. Donc je me permets de te couper, oui. Ferrol, c'est sur. Je veux revenir rapidement sur l'origine de la création des juristes assistants. Parce que ça démontre le flou dans lequel ils naviguent. Et en fait, suite aux attentats du 13 novembre, il y a eu un plan de lutte antiterroriste, un deuxième plan de lutte antiterroriste. Et lorsque nous avons été reçus par la garde des Sceaux de l'époque, Madame Taubira, elle nous a annoncé la nécessité de rattraper, d'épurer au maximum le retard en matière d'exécution des peines, puisque vu les circonstances, c'était nécessaire. Il y a un retard important, il y avait un retard aussi, il y a toujours d'ailleurs, dans le traitement des enquêtes, le traitement au niveau correctionnel aussi des audiences correctionnelles. Et donc elle nous annonce la création des juristes assistants, recruter donc des contractuels, recruter à un haut niveau de formation, de diplôme, et qui auront vocation à rentrer dans le corps des magistrats. Voilà ce qu'on nous dit à l'époque. Toutes les organisations syndicales de fonctionnaires ont réagi en disant que ce n'était pas de contractuels dont on avait besoin. Il y a beaucoup, et encore aujourd'hui, de postes d'adjoints administratifs qui sont vacants et c'est ce qui empêche notamment justement de traiter ce stock. Mais ils ont préféré créer ce statut de contractuel, ce qui est un peu contradictoire, mais récemment avec M. Dupond-Moretti qui a recruté des contractuels plutôt que recruter des adjoints administratifs qui pourraient être formés, pas pour quelques années, mais pour un temps long, et donc ce qui serait bénéfique à la fois aux agents recrutés, parce qu'ils seraient ils auraient un emploi stable, et on nous a rétorqué que quand même un contrat de 3 ans, c'était sortir les gens de la précarité. Donc voilà, mais ce qu'il y a, c'est qu'on est toujours dans cette logique-là, et les juristes assistants sont créés pour... Voilà, et puis ça ne durera pas, et puis ils ont vocation à rentrer dans le corps des magistrats. Et là, on nous dit, oui, mais bon, qu'est-ce qu'on en fait de ces juristes assistants? Il y en a 1000 ou 1500, les chiffres varient. Le ministère lui-même nous donne des chiffres variables, soit environ 1000, soit environ 1500. Et puis ils nous disent, qu'est-ce qu'on va en faire? On va les CDIser, puis créer une fonction pour clarifier les choses. Nous, on n'arrive pas à comprendre comment on clarifie les choses en faisant un empilement de statut, fonction. C'est vraiment... c'est lunaire. Donc, je te relaisse la main, Ferriol. Non, mais tu avais raison d'apporter les précisions sur le contexte dans lequel ils ont été créés. Donc, un des problèmes, notamment, justement, ils ont été mis en place comme ça, donc sur un coup de baguette magique par le ministère. Une des principales difficultés qu'on avait signalées au moment où on a été entendu par l'émission de Moutin, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu de réflexion sur leur place au sein de la juridiction, les rôles qu'ils avaient à jouer, sur la fameuse équipe autour du magistrat, même leur positionnement en termes de gestion. Moi, je suis directeur des services de Trubidu, donc je suis amené à encadrer des greffiers.
Et voilà, c'est arrivé à un centre de fois, enfin, un centre de reprises, que des juristes assistants viennent me voir en disant, en venant me poser, moi, des questions en termes statutaires. Et sauf que le problème qu'on rencontre, et, enfin, c'est partout, c'est qu'ils ne sont pas positionnés de façon claire. Est-ce que c'est nous, leur responsable hiérarchique, et c'est les magistrats qui les gèrent? Enfin, on ne sait pas. Il y avait un gros problème de clarté. Et bon, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait. C'était en partie sur ça que nous a interrogé la Cour des comptes dernièrement. C'est que, enfin, il y a une espèce de melting pot qui n'est pas très clair sur les. Notamment sur le rôle de chacun et la place de chacun. Et au lieu qu'on ait des discussions avec le ministre ou avec la DG de façon générale, donc, il y a eu ce fameux article 11 donc, qui est tombé, et sachant qu'en plus, la DG nous avait reçu en décembre 2022 en nous disant on va entamer des discussions sur. Alors, maintenant, il parle d'équipe juridictionnelle, sur l'équipe juridictionnelle. Et sauf que cet article 11 est venu percuter en fait, le projet de la DG, donc en fait. Depuis 2015, on n'a jamais pu en discuter. Et là, donc, il y a un nouveau statut, maintenant, ils appellent ça une mission qui est mise en place, sans que, là non plus, on ait pu en discuter. C'est quand même un problème. En plus, toujours sur le même sujet, sur les juristes assistants deviendraient donc des attachés de justice, le nouveau titre qui leur sera attribué. Et lors du CSA ministériel, donc, qui a été en mars, de mémoire, je n'ai plus la date en tête, le directeur des services judiciaires nous a dit « Ah oui, effectivement, parce que le problème, c'était en disant « Les greffiers, qu'est-ce qu'on offre comme, comme possibilité d'évolution de greffiers ?» Et le directeur des services judiciaires est venu nous dire « Ah, mais en fait, les greffiers donc, sont des fonctionnaires de catégorie B, donc ils ne pourront pas être recrutés sur ces postes de contractuel, mais si on voudrait, on pourrait en accompagner, donc à condition qu'ils passent le concours d'attaché du ministère de la Justice, donc ce sont des fonctions uniquement administratives, hein, donc un attaché, c'est pas un juriste, et qu'entrer dans ce corps d'attaché, on pourrait les détacher dans les missions de juriste assistant. C'était une ânerie sans nom. Alors, sachant qu'en plus, dans le même article 11, dans la version qui nous avait été communiquée, il était sur la partie sur les assistants spécialisés, c'était noté que ces assistants spécialisés pouvaient être recrutés parmi les fonctionnaires de catégorie B et de catégorie 1. Et cette version du texte a disparu dans celle qui a été transmise au Sénat et puis, bon, évidemment, dans celle que vous avez. Donc, on a une espèce de micmac assez incompréhensible, en tout cas sur ces fameux attachés de justice. Et pour compléter tes propos, Ferriol, ouais. Sur les attachés de justice, parce qu'en fait, c'est le cadre légal, c'est la loi de casse de la fonction publique du 6 août 2019, hein, puisque ça permet l'ouverture aux contractuels pour contourner de toute façon leur objectif depuis 86, c'est de casser le statut général. Voilà, c'est très simplement. Et sauf qu'ils n'y arrivent pas d'un coup, donc ils y vont, ils ouvrent des brèches. Alors on n'est pas le pire des ministères, hein, la justice en termes de taux de contractuels, mais ce qu'il y a, c'est que ça ouvre beaucoup plus de possibilités. Et là, c'est ce cadre-là. Donc, ils créent une fonction sur lesquelles, fonction, mission, sur lesquelles pourraient postuler des fonctionnaires, aussi bien que des contractuels. Donc là, on est dans la casse, dans le contournement de l'esprit du statut, puisque le statut, c'est la fonction publique de carrière. Là, on passe sur l'emploi. Donc, en passant sur l'emploi, on donne aux managers, aux petits potentats locaux la possibilité de faire ce qu'ils veulent, mais comme dans le privé, voire même pire que dans le privé, puisqu'on casse tout cadre vous n'êtes pas content, on met fin à votre contrat. Donc on
on met tout le monde aux mêmes conditions. C'est pour ça notamment que ce n'est pas acceptable sur l'esprit. Et après, sur le détail au sein du ministère de la Justice, parce que là, j'étais juste avant en bilatéral avec la sous-directrice des ressources humaines des greffes du ministère de la Justice, et qui expliquait que, mais si créer les attachés de justice, c'est parce que les greffiers, justement, n'ont pas fait ce travail d'assistance aux magistrats. Ah ouais ? Ben oui. Alors, ils le font bien, ce rôle, ils le jouent au Conseil des prud'hommes, puisqu'ils font beaucoup de travail de rédaction et de relecture. En revanche, les greffiers devraient pouvoir rédiger des réquisitoires introductifs ou définitifs, mais ils ne le font pas. Ben non, on ne le fait pas. C'est ce que je vais expliquer, c'est que c'est compliqué de le faire. C'est que déjà, là, actuellement, sans ces fonctions-là, on a du mal à faire tout le boulot. Donc, bien évidemment qu'on ne peut pas faire ce travail d'assistance aux magistrats. Le problème, c'est pas la question du statut, c'est la question des effectifs. Donc voilà, mais ce qu'il y a, c'est que ils nous l'ont dit il y a un mois et demi lors du conseil pédagogique de l'école nationale des greffes, elle l'a redit là, c'est si elle recrute autant de greffiers sur le quinquennat, c'est bien parce qu'ils portent une attention aux greffiers. Après, ils veulent aussi abaisser la formation des greffiers de 18 mois. L'abaisser à 12 mois, mais c'est pour reconnaître le statut de greffier, certainement. Donc on a bien un problème de conception, et que le greffier, il a le gros défaut d'avoir un statut de fonctionnaire, un statut spécifique. Donc nous, et puis on en a marre en plus, c'est l'équipe juridictionnelle, hein, Ferrel le disait, mais l'équipe juridictionnelle, ça c'est quand on l'écrit, maintenant, quand on le dit, mais quand on oublie de le dire à l'oral, c'est l'équipe autour du magistrat. Alors que une décision, la justice, elle est rendue parce qu'il y a les deux piliers, les magistrats qui, eux, sont sur le fond de la décision, et les greffiers et les fonctionnaires qui, eux, font le travail qui permettent juste que les règles procédurales soient bien respectées. Donc c'est pas autour du magistrat, c'est il y a besoin de ces deux pôles. Donc ils en font vraiment, ils déséquilibrent totalement. Après c'est aussi la vision de l'Union syndicale des magistrats, parce que eux ça leur va tout à fait ce projet en plus l'attaché de justice sera sous la responsabilité hiérarchique du magistrat et non plus des directeurs de greffe et de fonctionnaires. Donc nous, ce qui nous permet aussi de faire attention un tant soit peu, pas assez souvent à nos yeux, mais de faire respecter un peu nos garanties légales sur le temps de travail par exemple, c'est parce qu'on a le statut de fonctionnaire. Tandis que l'attaché de justice, on a des camarades, on a un camarade, on l'a vu récemment, autant vous dire que quand le magistrat a besoin, il faut être là. Et c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. C'est pas comme ça qu'on organise le travail, normalement, en France, au 22e, au 21e siècle. C'est assez hallucinant. Donc, je sais pas si là-dessus... Enfin, faut pas hésiter à nous poser des questions, parce que ça peut paraître peut-être fou, toutes ces histoires de statut et de fonctionnement. Mais c'est aussi pour ça que... On a insisté pour plutôt vous remettre un document écrit, vous rencontrer pour vous permettre de saisir un petit peu le fait que il y a les magistrats, c'est une chose, et c'est pas que les magistrats ont besoin des greffiers, c'est que c'est complémentaire et c'est interdépendant, c'est pas la dépendance uniquement aux magistrats. Si on peut au moins vous rassurer là-dessus, nous, on est très opposés à la question de l'attaché de justice. Vous en avez bien en tête le rôle d'authentification de la procédure fait par les greffiers qui est en complément du magistrat et pas dans cette logique de dire il y a un subordonné, un complément. Non, c'est une garantie pour le justiciable d'avoir deux autorités qui, un, va s'intéresser sur le fond et l'autre sur cette authentification de la procédure qui cadre aussi un peu le travail du magistrat. On l'a bien en tête. Mais en vrai, plus vous allez nous donner des éléments, plus aussi on pourra le mettre. Nous dans nos compléments d'amendement, mais en tout cas pour vous rassurer, nous sur les attachés de justice, moi je suis attaché de l'administration de l'État, Hugo l'est aussi, en plus on y voit une vraie difficulté
conjoncturel, c'est que potentiellement on pourrait mettre des attachés de l'État pour aller sur le support dans les juridictions, pourquoi pas, il y aurait peut-être un sens d'aller en soutien d'ailleurs des directeurs des services judiciaires, c'est pas du tout leur rôle, ils sont vraiment sur une logique non, je dis pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas on a déjà des statuts qui existent déjà, qui sont pas utilisés, leur objectif c'est contractualiser, précariser. Et enfin, juste pour compléter sur la partie contractuelle, puisque j'avais fait quelques calculs sur la part de contractuelle, bah forcément, bon, je sais pas. Alors, je crois que c'est les chiffres. Alors, j'ai pas de mémoire, mais on était monté à 10% de contractuels, 10 ou 11% de contractuels dernièrement, contre, je sais plus, c'était 6,5% au sein du. Juste au sein des services judiciaires. Parce que ça aussi, bon, c'est un phénomène dont on ne se rend pas forcément compte, mais c'est qu'il y a en fait énormément de contractuels au sein des services judiciaires. Parce que les magistrats à titre temporaire, ce sont des contractuels. Les délégués du procureur, ce sont des contractuels. Il est fait aussi appel à un nombre de réservistes, donc des magistrats réservistes, des greffiers réservistes, des directeurs réservistes. Il y a c'est aussi des retraités qu'on met au boulot. Il y a aussi tous les contractuels qui sont recrutés sur les missions sur la filière technique. Donc là aussi, on espère des évolutions puisqu'on a, on a des discussions actuellement sur la filière technique. Donc on s'imagine bien qu'on veut qu'un centre de mission effectué par des sociétés privées ou des contractuels qui reviennent à la filière technique. Il y a aussi, depuis dernièrement, avec ce qu'ils appellent la justice de proximité, tous les B contractuels, A contractuels et C contractuels. Donc on a eu toute une flopée de contractuels qui ont été recrutés parce qu'il fallait faire vite. Bon. Déjà, enfin, quelque chose, le fait de tous ces recrutements, ça montrait bien qu'il y avait des besoins. Mais sauf que bon, les besoins, ils sont censés être anticipés, hein, bon, même si on a eu la crise Covid, mais bon, la situation, on avait quand même une situation qui préexistait. Donc s'il y a des besoins, on recrute des fonctionnaires. Et comme le disait Cyril, en ne faisant pas n'importe quoi, donc en ne réduisant pas la formation, en ne réduisant pas la formation des greffiers notamment. Vous n'avez pas de stats nationales sur le pourcentage de. Vous avez dit 10%, mais c'est une estimation syndicale que vous avez dans les services judiciaires. Non, je dois avoir les chiffres. Non, la PJJ, nous avait parlé de 35% de contractuels. Alors, ils en ont énormément à la PJJ. Nous, on n'est pas du tout dans cette situation. On est loin de et heureusement, de leur niveau. Mais nous, on a, c'est les chiffres que tu nous avais envoyés, Ferriol. Suite à une réunion que tu avais eue. La question de la filière technique, donc je sais que j'ai fait des calculs. J'ai les chiffres sous les yeux. Je ne sais plus ce que j'avais. Mais ça, on peut trouver ça. Je les ai sous les yeux, Ferriol. Je les ai sous les yeux. Il y a 1843 contractuels actuellement. Et alors là, j'ai pas le total, mais si j'ai le total. Et 23 720 agents. C'est sûr que comparé à d'autres administrations, c'est pas énorme. Voilà, ça pour l'instant, oui. Mais ça a déjà doublé. Non, c'est ça. Ça a déjà doublé alors qu'il y a vraiment des besoins. Et enfin, comme je disais, sur les adjoints administratifs, c'est parce que les adjoints administratifs, pour dire à quel point. J'hésite à utiliser un mot de Darmanin. Tellement ils ont bordélisé les greffes. Ça, on le ressortira. Hein. Mais non, mais c'est que les adjoints administratifs, aujourd'hui, on en a un certain nombre, là on n'a pas les chiffres, mais qui font fonction de greffier. On appelle ça les faisant fonction. Alors, ça existe un peu aussi dans toutes les partout. Administrations, dans tous les ministères. Mais là, il y a un texte, donc c'est prévu et encadré par le Code de l'organisation judiciaire. Nous, on réclame la suppression de cette possibilité, puisque un adjoint administratif qui fait fonction de greffier, qui en prend les responsabilités sans la formation, même si on a de très bons adjoints administratifs faisant fonction, mais ils n'ont pas eu la formation,
et ils n'ont pas la paye non plus. Ouais. Non plus. Et donc on a des adjoints administratifs faisant fonction de greffier, on voudrait des greffiers faisant fonction de magistrat. Donc à défaut, parce qu'on n'a pas été assez gentil, enfin on n'a pas, on a pas fait d'effort, donc ils ont créé le juriste assistant. Faut voir ça aussi, et que dans certains services, vu qu'on manque d'adjoints administratifs, eh ben, les greffiers et les chefs de service vont faire du boulot d'adjoint administratif. Donc voilà, c'est ça aussi qui est hallucinant. Vous avez des estimatifs, un peu des besoins au sein des services judiciaires, je ne parle pas des greffes pénitentiaires ou autre. Oui, ah non, oui, de toute façon, ce n'est pas du tout notre capable d'en parler. Vous estimez à combien le manque de postes? C'est un travail un travail qu'on n'a jamais fait, un travail d'estimation qu'on n'a jamais fait parce que pourquoi on ne l'a jamais fait le problème sur les, en fait, bon, actuellement on a des outils pour qui sont censés permettre d'évaluer la charge de travail. Comme on dénonce depuis un certain temps, il y a eu ils ont surtout servi à supprimer des postes. Pour ça, on avait fait des calculs. Sur le nombre de postes qui avaient été supprimés, puisqu'il y avait toute une période sur... Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais on a écrit dessus. Il y avait toute une base sur, en gros, sur 5 années, il y avait au moins... Je dis au moins parce que je parle de tête, il y a au moins 200 postes qui ont été supprimés. Il y en avait d'autres avant, avec la réforme de la carte judiciaire. Donc, on a des effectifs qui fondent, alors que dans le même temps, on a une population qui augmente. Donc, il y a déjà cette difficulté. Ensuite, sur le problème des estimations de la charge de travail, donc je disais, on a un outil qui s'appelle outil greffe, sauf que le problème, c'est la façon dont c'est le calibrage. Et un exemple donc, qui me tient à cœur, c'est sur les tutelles. Et en fait, les tutelles majeures. La charge de travail des greffiers au service des tutelles majeures est calculée en fonction des nouveaux dossiers. Sauf que les nouveaux dossiers, pour moi, ça vaut pour un greffe correctionnel, puisque au greffe correctionnel, le dossier, il arrive, au bout de, allez, on va dire, 1 an, 2 ans, il sort. Au tutelle majeure, les dossiers, ils sont là pour 10, 20, 30, 40, en fait, pour quasiment la durée de la vie de la personne qui est sous tutelle. Donc, ça n'a aucune logique de faire un calcul d'un charge de travail en fonction des nouveaux dossiers. La logique voudrait plutôt en fonction des dossiers en cours. Mmh. Et on va dire, ça c'est un exemple que je connais assez bien, et c'est que du coup, derrière, en fait, on va sous-dimensionner la charge de travail, et on va se retrouver avec des situations, comme par exemple les comptes de gestion, parce que les comptes de gestion, moi en tant que directeur, je suis censé faire la vérification des comptes de gestion. Bon, autant vous dire que j'étais affecté un certain nombre d'années dans les anciens tribunaux d'instance. J'ai consacré évidemment une partie de ma charge de travail, sauf que dans le temps qui m'était imparti en fonction des calculs qui étaient effectués, c'était impossible. Et derrière, le problème, c'est que ça aussi, ça entraîne comme on n'a pas le temps de le faire, du coup, on va privatiser, donc confier ça à des sociétés pour faire le travail de vérification. Alors que pourtant, ce travail de vérification, il est important parce qu'il a un impact. Et je le dis d'autant plus que dernièrement, je crois que c'était il y a 2 mois à peu près, il y a un mandataire judiciaire qui est chargé d'élaborer les comptes annuels pour une personne, pour les personnes qui sont sous mesure de protection, a été condamné pour détournement. Parce que nous, en tant que directeur, on est en partie responsable de la vérification des comptes de gestion et de vérifier notamment que la personne qui est sous tutelle ne se fasse pas enfler, pour parler poliment. En fait, ce travail, il est sous-évalué par l'outil, et donc on ne peut pas le faire. Et sauf que derrière, il y a des vies humaines, et ça a des conséquences. Et la manière aussi, en fait, parce que l'outil greffe, il calcule, pour faire telle tâche, il faut tant de temps. Donc, ils ciblent là, et... Le problème, c'est que c'est fait dans un... C'est tout à fait théorique, c'est-à-dire à condition que l'outil informatique, que le logiciel fonctionne bien. Alors ça,
malheureusement, plus on avance, plus c'est pire. Voilà, c'est, je ne parlerai pas de Cassiopée et vous entendrez bientôt beaucoup, beaucoup parler de Portalis, puisque ça sera pire que Cassiopée. Déjà, le budget, le coût est déjà largement supérieur. Ça explose tous les plafonds, mais pour un résultat qui sera... Voilà, enfin, si on devait juger au résultat des décisions qu'ils prennent, il y en a beaucoup qui finiront au chômage, hein, des responsables d'administration. Mais c'est en ne prenant pas en compte le fait qu'il y a des coups de téléphone, qu'il y a les avocats qui passent, qu'il y a le public, il y a tout ça. Donc c'est tout à fait théorique et ça me fait penser à une juridiction. Quand Ferréol et moi, sur Paris, quand il y était, on a commencé à militer et qu'on s'était déplacé sur le TGI de Sens. Et le TGI de Sens, ils étaient, selon Outil Greffe, ils étaient en sureffectif. Et ils étaient à 29 fonctionnaires sur un total calculé par Outil Greffe d'environ, je crois que c'était 23 de mémoire à peu près, hein, 23 ou 24. Donc ils avaient un sureffectif de 5-6. Fonctionnaires. Du coup, ça se passait, ils arrivaient à travailler à peu près bien, dans des conditions à peu près normales. Depuis, ils sont sur ce qu'Outil Greffe prévoit, ça va de mal en pis, cette juridiction. Voilà, c'est un exemple assez très concret. Il y a aussi des problèmes de management et de chef de juridiction, mais s'il y a, les problèmes viennent de la charge de travail qui est bien trop importante pour l'effectif localisé. Ça, si vous avez des éléments écrits, ouais, c'est important, ça me paraît que pour la séance, on puisse alerter notamment là-dessus. On a déjà, nous, entre guillemets, quelque chose d'un peu précis sur les greffes. Je vous parlais de l'estimatif, c'est qu'en vrai, nous, sur les assistants de justice, futurs attachés de justice, ils mettent aucun chiffre. Juristes assistants. Oui, les juristes assistants. Ouais, parce que les assistants de justice, c'est encore un autre statut de contractuel. Ils ne parlent d'aucun chiffre. Et en fait, pour le coup, on voit bien, notamment sur d'autres aspects où... ils ont plus d'éléments chiffrés, là il n'y a rien, et c'est vrai que c'est un peu leur donner le quitus pour faire ce qu'ils veulent. Oui, mais oui, parce qu'en plus ce qu'ils ont fait, donc il y a 6-8 mois, ils nous disaient 1000 ou 1500, et récemment c'était faut recruter du juriste assistant. Parce qu'en faisant du nombre, c'est, vous voyez, il y a besoin de ce statut, de cette fonction. C'est pour ça que si on peut avoir des éléments sur l'outil greffe, ça pourrait être bien pour montrer que justement cet outil-là, il n'est pas bon. Oui. Et que la charge de travail, vous avez parlé du contentieux de la protection, j'avais fait une immersion avec mon député, je vais faire une immersion pour qu'ils comprennent justement ce que c'est cet accompagnement du justiciable, l'encadrement des mandataires judiciaires qui était très compliqué, fait par le greffe, du coup c'est assez parlant et c'est pas outil greffe qui va permettre d'avoir ces outils-là. Juste un complément sur les logiciels et l'impact aussi sur la charge de travail. Parce que moi, je m'occupe d'encadrer la chaîne pénale et actuellement, on a tout un phénomène de dématérialisation de la chaîne pénale qui s'accentue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là où si je prends la police ou la gendarmerie, ils ont un logiciel pour tout faire, c'est-à-dire gérer la procédure, tracer la procédure et gérer la procédure en format, le document de procédure en format numérique, écrire et compagnie. Nous, on a quatre logiciels pour le faire. C'est-à-dire qu'on a Cassiopée, donc pour le tracer la procédure, bon, avec Cassiopée et tous les problèmes qu'on connaît. On a le logiciel NPP, donc qui permet de recevoir la procédure dématérialisée. Donc, en gros, je schématise un correspondant en format PDF. Si je veux faire la signature électronique, il faut que je passe par un logiciel qui s'appelle le BPN, le Bureau Pénal Numérique, donc troisième logiciel. Et quatrième logiciel, donc le magistrat, s'il veut travailler sur le dossier, il faut qu'il utilise un autre logiciel qui s'appelle Noé. Donc en termes, le débat c'est toujours de dire le numérique ça va permettre de simplifier le travail, enfin, très sincèrement. Moi, quand je propose, je dis à mes agents, pas le choix, va falloir travailler avec, c'est du délire. Et en plus, avec tout, Cassiopée, il y a toujours les trames qui ne sont jamais à jour, parce que, évidemment, la loi va plus vite, la loi va plus vite que le, que, que le,
que la mise à jour des logiciels. Mais c'est, franchement, c'est un truc de malade. Et oui, et pour moi, pour en tant que chef de service, si je veux tracer le fait qu'on ait bien reçu ou non les procédures, j'ai accès à un cinquième logiciel qui vient du ministère de l'Intérieur. Donc voilà, enfin, c'est juste à titre d'exemple, parce que Cyril en parlait, mais c'est... Enfin, moi, ça me fait toujours rigoler. Non, mais il y a une grosse amélioration, nous a expliqué le garde des Sceaux, c'est que vous n'aurez qu'un seul identifiant et un seul code pour tous ces logiciels. Donc, vous allez qui ont vraiment... tous un même fonctionnement, bien évidemment. Vous allez gagner beaucoup de temps, franchement. Alors, est-ce que je peux donner en fait, donc, effectivement, on a des cartes agents qui nous permettent d'accéder à un certain nombre de logiciels en même temps. Donc, parce que alors, je vais quand même rappeler qu'au sein du ministère de la Justice, je crois on l'avait écrit dans un tract, mais on a un nombre de logiciels qui est complètement délirant. Mais moi, pour suivre les accès à tous mes logiciels, j'ai un tableau, et je pense que j'ai une vingtaine de lignes, donc c'est-à-dire qu'en gros, un code par logiciel. Et sachant qu'en plus, si je veux me connecter à ma session, j'ai deux codes différents. Et c'est toujours pas la carte agent qui permet de m'y connecter. Donc ça va changer. Ouais, non, mais je serais quand même un minimum au courant si ça devait évoluer. Bah non, c'est pas le cas. Parce que c'est ce qu'il nous a dit. À l'époque, je me rappelle qu'en 2000... Il l'a dit comme ça hier. J'avais reçu ma première carte agent et on m'avait dit oui, mais ça, c'est ça qui vous permettra d'accéder. Non, mais... C'était il y a 8 ans. Je comprends, mais je vous dis ça parce qu'hier, on a auditionné Éric Dupond-Moretti, qui nous a assuré que c'était ça la grande trouvaille. C'est filmé. Ouais. On pourra vous envoyer le verbatim. Oui, on est preneurs. Mais bon, nous, on est de toute façon très méfiants, c'est un euphémisme, par rapport au numérique et puis par cette volonté de zéro papier qui en fait n'est pas efficiente parce que, voilà, ne serait-ce que pour les justiciables et les victimes. Voilà, ces personnes-là ont besoin de papier, sans compter toutes les personnes qui n'ont pas accès au numérique aussi. Non, mais moi, j'y crois absolument pas, bon, notamment pour les raisons que vous avez évoquées. Puis je me place aussi de notre côté à nous, c'est les modifications en termes d'organisation du travail, de conditions de travail, ça va extrêmement vite. Mmh. Et franchement, pour mes agents, c'est vraiment très très compliqué. Parce que là, mon bureau d'ordre, donc c'est le service qui reçoit les procédures, là, depuis début mai, ils doivent traiter un certain nombre de classements sans suite en tout dématérialisé. Donc, c'est un changement de pratique. Et tout, enfin, ça, c'est un des problèmes qu'on dénonce, c'est qu'évidemment, on a un rythme de réforme procédurale et autres qui est assez intense. Et puis, évidemment, le problème, c'est que les travaux ne suivent pas. Mais aussi, ça a des impacts. Sur nos organisations et sur les conditions de travail. Et moi qui suis entre guillemets jeune, j'avoue que depuis que je suis entré dans la justice, je suis même plus à jour de tout ce qui est entré. Enfin, c'est pas possible, tellement il y a une chose. Pour mes agents, franchement, c'est dur. C'est vraiment très dur. Puis un mot de passe unique, ça, c'est bien, mais ça ne résoudra pas les problèmes des logiciels qui font perdre du temps. C'est quand même dingue qu'on nous donne un outil. Normalement, un outil, c'est fait pour aider le travailleur. Et là, ça nous handicape. Mais vraiment, ça nous fait perdre du temps. Quel que soit l'outil qui nous refile, il y aura un mot de passe unique. Super. Mais sauf qu'en attendant, on continuera à se blesser en quelque sorte avec l'outil. Donc l'outil, c'est pas le mot de passe, c'est l'outil qui est pas bon. Donc j'ai 25 mots de passe différents. Et on est curieux aussi de savoir d'où il tient que Dupond-Moretti, que ça améliorera grandement la vie des agents, puisque quand il se déplace en juridiction, il veut voir que des contractuels. Donc il rencontre pas les organisations, les représentants locaux des organisations syndicales. Mais c'est la Macronie, les corps intermédiaires. Pareil, c'est la Macronie, les fonctionnaires, non, les contractuels, oui. Non, mais la volonté, c'est de casser tout le service public, et c'est pas nouveau. Et la justice est quand même le service public qui est peut-être le plus difficile à attaquer,
oui, malgré tout, du fait de son rôle. Hein, Mais bon, je vois qu'il s'y emploie quand même. Et moi, je suis assez stupéfaite, je ne savais pas qu'il y avait donc des missions qui étaient confiées au privé. Ah oui. Donc vous en avez parlé tout à l'heure, donc vous pouvez nous donner d'autres exemples. Ah ben là c'est dans le projet de loi. Voilà. J'allais en parler Article 17 du projet de loi. Déjudiciarisation. En fait c'est simple, quand il y a déjudiciarisation au ministère de la Justice, c'est privatisation. Oui. Et donc de la procédure de saisie des rémunérations. Et là, alors ils expliquent dans l'étude d'impact. Ça permettra de supprimer, de faire une économie, hein, je cite, une économie de 140 ETP et d'économiser 4,2 millions de frais de notification. Voilà. Et ils écrivent en plus, les économies permises par ce nouveau dispositif sont de deux ordres, en effectif et en frais de notification. Moi, ma remarque, quand j'ai lu cette phrase, c'est à quoi bon un service public de la justice au final ? Et tout ce qu'il raconte sur « mais ça sert à rien, ça fait perdre du temps, ça mobilise plein de gens », ben, en même temps, oui. Alors moi, je suis passé que pas très longtemps hein, dans ce service, et c'était à l'époque de mes stages, quand j'étais en formation de greffier. Mais c'était nécessaire que ça passe par un service public de la justice, parce que pourquoi les huissiers, devenus commissaires, je ne sais plus quoi, pourquoi ils veulent récupérer ça, parce que c'est quand même pénible, vous vous rendez compte, les juges ils n'arrêtent pas de revoir à la baisse de n'importe comment les frais d'huissier. C'est quand même dingue hein. Non, mais, et en fait c'est ça le problème, donc, c'est en gros une contrepartie, parce que la fusion de ces charges là c'est un peu, on leur refile quelque chose parce que on les a un peu dépossédés précédemment et c'était quand même pas bien, et donc on leur refile du fric. Voilà, c'est la justification de cette réforme, elle n'est pas allée chercher ailleurs que là. C'est des magouilles avec avec une mafia, parce que les huissiers, c'est une mafia. Nous, on revendique que les greffiers les compétences attribuées aux huissiers devraient revenir au service public de la justice, et ça serait exercé par les greffiers, justement. Voilà, ça, c'est des attributions qui correspondent parfaitement aux greffiers et au service public de la justice. Mais voilà, là, ça va être, pour les pauvres gens qui sont déjà dans des situations catastrophiques, ça va être des frais, il n'y aura pas de contrôle. Il n'y aura pas de contrôle. Enfin, le cynisme, il est tellement poussé que c'est un avocat en vrai qui le défend. Parce que c'est marqué dans l'étude d'impact sur la deuxième partie. Vous avez lu la première partie sur les ETP, mais c'est d'autre part, la procédure actuelle impose aux greffes de nombreuses notifications. C'est quand même dingue qu'un avocat s'offusque qu'il y ait plein de notifications. Alors même si ce n'est pas l'avocat qui est toujours dessus, mais c'est assez cynique. Ça montre bien que oui, c'est une déjudiciarisation pour une déjudiciarisation, mais en fait, derrière, oui, il y a une mafia. L'année dernière, en tout cas sur cette économie-là qui va se faire. Quoi. Sur le dos des plus précaires, comme vous dites, on est sur un contentieux quand même qui est très particulier. Hein. Saisie rémunération, c'est pas n'importe qui. Non, et puis moi ça m'avait marqué. Hein, ces pauvres gens qui, il suffit d'un accident de la vie, que ce soit sur le plan professionnel, social, familial, santé, qui entraîne tout le reste sur son passage, les autres aspects cités sur son passage, et des personnes qui se retrouvent dans une merde totale. Mmh. C'est glaçant, quoi. Et que le service public ne puisse pas, soit dépossédé d'un cadre qui permet quand même à ces gens-là éventuellement, d'être aidés pour s'en sortir, parce que finalement, les échelonnements, les rééchelonnements, etc. C'est vraiment, vraiment nécessaire et précieux pour ces gens-là. Et puis, ça participe aussi à une logique depuis plusieurs années, c'est qu'en fait, il y a un centre de missions qui auparavant, des missions civiles qui auparavant étaient confiées aux tribunaux d'instance, donc qui étaient les juridictions de proximité par excellence, et qui fonctionnaient le mieux. Je tiens quand même à rappeler que les petites juridictions fonctionnent très bien jusqu'à leur fusion. Donc toutes ces petites missions
en fait, qui disparaissent. Et en fait, c'est, on a le sentiment qu'en fait, on se débarrasse de missions, entre guillemets, qui sont considérées un peu comme subalternes. Souvent, ce qu'on oublie, c'est que dans la justice, on voit tout ce qui est pénal, mais la majorité de l'activité, c'est quand même la matière civile. Et là, enfin voilà, sur le mal saisi rémunération, j'en ai fait il y a quelques années. Bon, ben, c'est encore une mission supplémentaire qui part. Je rejoins évidemment tout à fait Céline. On est censé être un service public, à avoir des sites entre guillemets de proximité, bon, qui ont en partie sauté en 2009-2010. Et en fait, ben, y a tout ça, toutes ces missions de proximité qui partent. Et c'est plus que triste, notamment quand on voit l'impact que ça a sur les personnes qui sont le plus en difficulté. Parce que le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, derrière, il y a cette considération que ce qui touche les entre guillemets petites gens, ben, c'est pas important, donc on s'en fout. Mais c'est triste. Et le service public, c'est pour ceux qui n'ont rien ou pas grand-chose, et ça, ils n'aiment pas. Ça, ils aiment. Même ça, il faut qu'ils le retirent. Enfin, et on est vraiment sur tout ce qui est civil et qui peut permettre justement aux gens en difficulté, et pas forcément les plus en difficulté, bien sûr, ceux-là aussi. Mais c'est tout ça, plus ça va, plus c'est la portion congrue, et c'est toujours, enfin là on le voyait, les perquisitions de nuit, c'est toutes ces choses là, c'est toujours le répressif, enfin c'est le libéralisme, hein, c'est le capitalisme, c'est voilà, on s'attaque à la propriété privée, au bien, enfin là non, ça c'est pas possible. Par contre les vautours peuvent piller et dépecer les travailleurs, ça c'est pas un problème. Bien d'accord. Et là, vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, ils n'arrivent pas à s'en prendre, mais plus difficilement au service public de la justice. Mais là, c'est donc ce projet de loi qui est issu du rapport des États généraux de la justice. Donc, nous, on n'y a pas participé parce que c'était en quelques heures. C'était pire que déjà Belloubet. On trouvait que. On l'avait dit, il n'y avait pas de concertation, il n'y avait pas le temps sur la concertation. Là, c'était encore pire. C'était vraiment mission éclair. Et ce rapport, dans ses conclusions, il y a notamment le fait qu'il y a trop de réformes tout le temps. En fait, ils auraient dû retenir ça et ne pas faire ce projet de loi, parce que c'est la déstabilisation permanente des greffes et de la justice. Et c'est ça aussi qui crée une souffrance aussi au travail, et puis une surcharge de travail, parce que la surcharge de travail, il déjudiciarise, etc. Donc, mais en revanche, l'absorption permanente de réformes toujours plus en plus complexes, mal foutues, et qui ne sont pas accompagnées des effectifs nécessaires, qui ne sont pas accompagnées des outils nécessaires, outils numériques, logiciels, ça fait que c'est fou quoi, c'est que ça n'arrête jamais et continue, c'est qu'on n'a même pas les résultats. Oui, mais ça marche pas. Avec un recul de 6 mois, 12 mois ou 24 mois. Mais ça aussi c'est une méthode, toutes les expérimentations ne sont jamais abouties, ne conduisent jamais à aucun rapport, mais sont généralisées. Les cours criminels. Juste un mot sur les cours criminels, parce que ce qui est notamment l'impact, c'est que ils ont besoin de magistrats supplémentaires. Donc des magistrats supplémentaires, on va les prendre dans les magistrats à titre temporaire, des contractuels, etc. Et du coup, comme c'est sur la même ligne de crédit que les vacataires, donc qui sont recrutés, généralement c'est des étudiants qui sont recrutés pendant l'été. Du coup, on a moins de crédits vacataires pour nous filer un coup de main pendant la saison. Pendant l'été. Ouais. Voilà, désolé. Et sinon, pour revenir aussi sur d'autres. Un aspect pénal, c'est qui m'a beaucoup interrogé, c'est concernant
le recours insuffisant, selon eux, au statut de témoin assisté. Alors, est-ce que c'est en lien avec la situation du ministre de la Justice et garde des Sceaux? Mais là, ce qu'il prévoit, enfin, encore une fois, l'étude d'impact, c'est n'importe quoi. Moi, je travaille à l'instruction. Effectivement, il y a assez peu de recours au statut de témoin assisté, mais c'est pas du tout en lien avec les motifs avancés, parce qu'ils auraient pas, ils se verraient pas notifier les missions d'expertise et les conclusions d'expertise. Alors déjà, en ajoutant ça, enfin, dans le tableau de l'étude d'impact, il reste plus que un truc qui sépare, je sais plus, je l'ai plus, un élément qui sépare le statut de témoin assisté et celui de mise en examen. Donc à quoi bon le statut de témoin assisté au final? Enfin, là, il y a de quoi s'interroger. Et deuxièmement, ils expliquent, donc oui, parce que c'est le problème d'expertise. Alors, en fait, généralement, ils préfèrent mettre, enfin, s'il y a... C'est pas pour les expertises, c'est vraiment au regard du faisceau d'indices, ou alors, j'ai pas travaillé avec les mauvais juges qui font comme ça. Mais moi, je suis volant, vu que j'ai une décharge syndicale, je peux pas être dans un cabinet, sinon je mets tout le monde en difficulté. Donc, je suis volant à l'instruction à Bobigny, donc je travaille avec, pas forcément tous les juges chaque année, mais avec une bonne partie d'entre eux. Donc, en 10 ans, j'en ai vu un certain paquet. Et quand ils hésitent à placer sous statut de témoin assisté ou de mise en examen, c'est par rapport au faisceau d'indice. Ils font ça par rapport à ça. Enfin, moi, je suis dans le cabinet à ce moment-là, hein, quand je les vois hésiter et que l'avocat insiste, avance des éléments, etc. Là, dans cette étude d'impact, ils ont raconté n'importe quoi. Mais après, c'est peut-être aussi lié au statut. Mais je sais pas, enfin, on n'aime pas trop les avocats dans notre organisation syndicale, mais peut-être que mentir, c'est pour eux, c'est normal. Enfin, pour eux et pour le ministre actuel. Parce que vraiment, moi, j'ai vraiment toujours pas compris pourquoi. Enfin, compris leurs explications là, dans l'étude d'impact sur le statut de témoin assisté. Mais vraiment, sérieusement, je ne comprends pas. Ou alors, c'est parce que, au-delà du seul ministre de la Justice, c'est quand même emmerdant des ministres qui sont mis en examen et qu'après on nous dit « Ouais, mais on les débarque pas et on se prend des remarques. » Alors que s'ils sont en témoin assisté, ça va. C'est peut-être pour ça aussi, c'est pas que le ministre de la Justice. Mais ce qu'il y a, c'est que, en tout cas, là, c'est pas du tout pour l'intérêt général qu'ils œuvrent, mais vraiment pas du tout. Pas pour les petites jambes non plus. Non. Donc, voilà, je pense que c'était les gros points. Alors, je vais reprendre quand même. Mais sur les gros points de nous identifier. Sur le texte, ouais. Ouais. Regardons ce qu'on a donné une liste, mais enfin, le gros point étant pour nous le. La question des attachés de justice, donc il y a suffisamment. Des effectifs. Après, il y a tout ce qui est la justice commerciale et jugement professionnel. Ah, ouais. Mais là, c'est l'expérimentation d'un tribunal des activités économiques. Nous, on ne voit pas ça d'un bon œil parce que là-dedans, ils veulent casser le CPH. Ça, ils n'aiment pas du tout. On a été pas mal interpellé par des conférences paysannes et autres, notamment sur le fait que d'être jugé, il y avait un vrai risque d'indépendance sur les prochains, tel que c'est conçu. S'ils voyaient vraiment des difficultés, on est plutôt, nous, favorables à leurs arguments, pas au texte. Oui, oui, oui. On
veut aussi la même perte à la fois d'expertise en plus, d'accompagnement pour les dossiers les plus compliqués, et puis de conflits d'intérêts. Bah de toute façon, la justice commerciale, c'est, enfin, ça, ils utilisent le mot justice, mais oui. C'est, oui, ben voilà, ça remonte au, il y a au rapport Montebourg et est-ce que c'était avec Payon, je ne sais plus, mais à l'époque où justement ils qualifiaient comme la CGT des chancelleries et services judiciaires la justice commerciale de mafia, et ça avait fait un scandale à l'époque. Mmh. Je me souviens, j'étais pas encore dans les greffes, mais. Mais c'était déjà identifié comme la justice commerciale, comme une anomalie démocratique. Je ne retrouve pas comment. Vous n'avez pas vu cette histoire de bouton je suis en train de le chercher. Si, la mise en place d'un bouton, je donne mon avis sur le site internet afin de requérir le taux de satisfaction des usagers. Alors, j'ai jamais vu ça, parce qu'après, il y a des. Ça, c'est des choses qui existent, puisqu'on a les. Je ne sais plus s'appeler. C'était les enquêtes Marianne, donc ouais, c'est un mot d'actualité, mais ça n'avait rien à voir où il y avait ce type d'enquête qui sont vraiment toujours réalisées, mais sinon, ça ne nous dit rien. Quoi. Non, mais c'est enfin, toujours. C'est ce qu'on a dit, nous, on voit que c'est un peu symbolique dans leur. En plus, c'est pile dans le chapitre relatif. Alors, c'est dans le rapport annexé, et c'est pile dans le chapitre une aide juridictionnelle. Réformer plus accessible. Ah oui, parce qu'après à l'AGI, donc il y a eu encore un logiciel supplémentaire avec le siège. Je sais même plus ce que ça veut dire, mais le logiciel qui est censé servir à faire les demandes d'aide juridictionnelle en ligne. Juste quand même rappeler, parce que je sais plus, c'était en fin 2021 où ils devaient le lancer. Et en fait, une ou deux heures après, il y a eu un message général en disant « Arrêtez tout, ça marche pas. » Non mais, enfin, c'est du vécu, mais oui, il y a ce logiciel-là. Et là aussi, c'est vrai que depuis, je pense que ça fonctionne depuis, on va dire, à peu près 6 mois, où toute la gestion de l'aide juridictionnelle, enfin, toutes les demandes qui sont faites depuis à peu près 6 mois, toutes les demandes d'aide juridictionnelle depuis 6 mois sont... sont dématérialisés. Et sachant qu'aussi là-dessus, j'en profite, c'est que j'ai cru comprendre, alors je ne sais plus si c'est. Non, c'est pas dans le projet de loi, mais ça avait été évoqué à un moment, le fait de centraliser les demandes d'aide juridictionnelle et que ça soit non plus sur un tribunal, enfin, par tribunal judiciaire, ouais. Que les bureaux d'aide juridictionnelle ne soient plus par tribunal judiciaire, mais par cour d'appel. Ouais, c'est ça. Et ce qui est quand même aussi en termes d'accès, c'est. C'est là encore, on éloigne encore de l'usager. Et juste un mot sur la question des effectifs. Bon, moi, c'est ma marotte, c'est le taux d'absentéisme. C'est qu'on a. Là, les derniers chiffres qu'on a, c'était 8% d'absentéisme, mais il a baissé seulement parce qu'en fait, on a recruté plus de contractuels. Parce qu'en 2019, on était à peu près à 9%. Et bon, c'est. C'est quand même catastrophique, et on a aussi une vague de départ en détachement. Ce que je sais plus, c'est. On s'est amusé pour au niveau des services judiciaires entre 2014 et 2020, plus 450% de départ en détachement. Bon, généralement, c'est pas un signe très très positif. Ouais. Mais bon, pour la DJ, ne voit rien de problématique là-dedans, donc ça les inquiète. Moi, j'ai une question pour vous. Parce que là, il y a les conseils de juridiction, là, ils veulent le revoir. Alors, en tant que parlementaire, vous avez participé déjà à des conseils de juridiction ? Moi, personnellement, non. Je suis nouvelle députée. Hugo, systématiquement. Systématiquement. Il y trouve un intérêt ou pas ? En vrai, nous, c'était un sujet. C'est Cécile Muntermeyer qui l'avait obtenu dans la loi Confiance dans la justice. Déjà, confiance. Donc, ils avaient un peu étendu le champ des conseils de juridiction, et notamment pour renforcer la place des parlementaires. Nous, Hugo, il y était, il a dit en vrai, ça sert à rien, ça ronronne parfaitement. Ce qu'on y voit quand même comme intérêt, c'est que ce serait bien, en vrai, ce serait une bonne instance où on pourrait, mais il faut un cadre. On a vu que le SM d'ailleurs proposait à ce qu'il y ait des amendements visant justement à donner en vrai au moins une ligne pour dire à quoi ça sert, parce que sinon ça sert à rien. En l'état actuel, ça sert pas à grand chose. Pour l'instant, c'est pour les notables en fait. Ça fait un budget petit four. Parce que nous, on est écartés, les représentants du personnel, on est écartés. Alors on a un amendement là-dessus. Ouais. Ah oui.
Parce qu'on pense qu'en vrai, c'est un biais, c'est un peu comme notamment sur la sécurité, il y a les CLSPD, les conseils locaux de sécurité publique, où en vrai c'est intéressant parce que le citoyen peut intervenir sur ces sujets-là. Pareil, c'est des coquilles vides. Et on pense que le conseil de juridiction, s'il y avait les syndicats qui avaient une place de droit, si les parlementaires aussi, mais aussi avec un cadre de discussion, parce que si c'est juste une réunion de chef à plume juste pour se taper dans le dos et voir des petits fours, non, ça n'a aucun intérêt. Mais on pense que ça pourrait être une instance de discussion qui permettrait en plus de mettre aussi... Et ça pourrait être aussi une instance décisionnaire ? Décisionnaire, ça dépend le cadre qu'on leur donne. Mais dans une logique plus globale, pourquoi pas. Ça permettrait de faire des alertes aussi sur le manque de moyens, juridiction par juridiction. Quand on voit que les uns et les autres se renvoient la balle en disant que ça doit être soit l'instance syndicale, soit des instances autres qui doivent le dire. Nous, on s'est rendu compte, dans la commission d'enquête justice, on s'en est rendu compte en allant dans les juridictions, que chacun des chefs de juridiction n'arrêtait pas de dire « moi, il manque ça, moi, il manque ça, moi, il manque ça », mais j'ai pas de moyen de l'exprimer, si ce n'est les instances officielles, où souvent, ils disent « oh, je ne peux pas le dire maintenant ». Mais c'est pas le cœur du texte. Ça va être par contre une séquence politique parce que comme ça va, on parle des parlementaires et des juridictions, ils vont essayer d'en parler longtemps. On va faire en sorte d'avoir quelques amendements pour faire en sorte que ce soit pas une coquille vide. Mais on va dénoncer que ce sont des coquilles vides. Oui. Soit ça sert à rien de les garder, si vous voulez les conserver, on va mettre du cadre. Et mettre les syndicats. L'ESM était plutôt d'accord avec ça. L'USM, vous avez pas l'air d'y participer plus que ça. Mais nous, on trouve ça intéressant s'il y a cet angle-là, en tout cas, pas cette composition. Oui. Pourquoi pas. Nous, on n'est pas favorable à ces conseils de juridiction, parce qu'effectivement, c'est, comme vous disiez, réunion de chef à plume. Donc, nous, on n'y voit aucun intérêt à part perdre du temps, malgré tout, un petit budget, et tout se compte. Mais non, vraiment. Après, la participation, faut voir, des représentants du personnel, des représentants syndicaux, parce que ils pourraient aussi, si personnel n'est pas syndicaux, ils pourraient se débrouiller pour mettre des collègues plus à la botte, en tout cas moins critiques, mais qui aurait un contenu et s'il y avait une utilité, pourquoi pas. Faire ce que t'en penses, mais enfin. Souvent, ce truc, j'ai jamais été convié à ce. Oui, non, mais moi non plus, mais c'est pour ça que je posais la question aussi. Mais on est conscient que c'est une possibilité de pouvoir détourner l'attention du débat. Vous parliez avant de l'absentéisme. On a repris ce que vous aviez fait dans le CHSCT à l'époque où ça existait, la demande de. Quand vous aviez assigné le ministère de la Justice, notamment sur toutes les conditions de souffrance au travail. On va essayer d'alerter sur un peu, là on a eu les surveillants pénitentiaires sur le bilan social qui nous ont dit en vrai il n'y a pas de bilan social au ministère de la Justice depuis 3 ans. Du coup c'est des choses sur lesquelles on va essayer de... Ouais, ils nous ont dit ça. Il y a un bilan social ministériel, mais oui, pas par... Ah, nous, on en a un. Ah oui, c'est que nous... Ah oui, effectivement, nous, on en a un, ça fait... Vous en avez un, mais pas le pénitentiaire. Ça fait très longtemps, mais effectivement, la pénite, ils en ont c'est pas. C'est ça. Mais vous aussi, ça fait longtemps. Nous, ça fait longtemps qu'on en a... Ouais. Ah, que vous en avez un régulièrement, annuellement. C'est annuel, D'accord. Sur la partie syndicale, il y a toujours plein de conneries... sur l'utilisation des différents moyens syndicaux, c'est incompréhensible, on fait rectifier à chaque fois parce que... Mais pour le reste, autrement, c'est vraiment utile. Et c'est pour ça que je faisais bien la distinction entre le bilan social et ce que vous aviez, vous, à tenter. En plus, c'est que, là, dans la loi de destruction de la fonction publique là, de 2019, c'est un décret de 2022 qui a mis en place le... il y a un rapport social unique qui est prévu par les textes. Donc, avant, le bilan social de mémoire, c'était pas prévu dans les textes c'était pas prévu forcément à l'époque où c'était des comités techniques. Mais là, dans le décret, donc ça doit être le 2020-1427, il y a c'est écrit noir sur blanc qu'il y a le rapport social. Ils appellent ça le rapport social unique. Qui est une espèce de bilan social où c'est marqué noir sur blanc. Mais
on est au ministère de la Justice, donc la non-application du texte, on a l'habitude. Et sinon, juste parce que là, comme ils veulent passer par ordonnance là pour le code pénal ou le code pour procédure pénale, c'est faut mettre en rapport l'article 20 du projet de loi sur la rémunération des greffiers des tribunaux de commerce. C'est pas sur le fond de la question, okay. Hein, parce que c'est pas. En fait, ce qui est intéressant dans cet article là. C'est qu'ils expliquent que lors de la dernière ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, ils ont fait une bourde et du coup, ils ont pas fait attention. C'est l'argument qu'on va utiliser pour leur dire que la loi par ordonnance, ça marche pas. Donc ça, c'est parce que nous, ça peut être des greffiers, mais comme c'est des greffiers de tribunaux de commerce, c'est une survivance de l'ancien régime. Donc c'est un problème en soi. Mais j'ai quand même allé voir justement de quoi il est retourné. Parce qu'en plus, il y avait rémunération. C'est un truc où actuellement, c'est le sujet, c'est ce qui provoque de l'agitation dans les greffes. Une fois n'est pas coutume avec le ministère de la Justice et avec ce projet de loi, halluciné de voir cette. Enfin, c'est pas sérieux, quoi. C'est vraiment pas sérieux. Et c'est inquiétant. Mais bon, un petit 49-3, je n'en ai pas plus, non ? Je pense que non, le 49-3, ils vont pas l'utiliser sur ce texte. Ils vont peut-être le garder pour asile immigration. Oui. Oui, non, parce que là, les mesures répressives. On va une nouvelle mandature, hein. Nouvelle session. Oui, effacer l'ardoise et on repart à zéro. Oui, non, parce que là, les mesures répressives, la droite va continuer de les voter. Puis des déjudiciarisations, privatisations aussi. Oui, nous, en fait, sur les axes, on va vraiment aller sur la déjudiciarisation. Vous n'avez pas parlé de la procédure à l'amiable, parce qu'en vrai, elle est insérée dans le rapport annexe, il en parle assez rapidement. Pour nous aussi, on y voit à terme un angle visant à la déjudiciarisation. On le voit au Québec, vous l'avez dit, hein, la privatisation, elle a explosé aussi par ces recours à l'amiable, des sociétés qui étaient en capacité de pouvoir traiter la justice de cette façon-là, on le voit bien. C'est un peu en sous-main, en vrai, qu'on voit dans le texte. Déjà, il y avait le projet de loi dit justice du 21e siècle, qui continuait de nous faire sourire, justice du 21e, mais on n'est même pas dans le 20e, il y a le progrès, mais c'est parce qu'il y a les avocats, c'est comme pour les médecins, en fait. Ils remplissent les bancs de l'Assemblée nationale et du Sénat, alors je ne sais pas que vous n'êtes pas médecin ou avocate. Moi, je suis prof. Vous êtes prof ? Parce que nous, les avocats, ils tirent tout le temps leur épingle du jeu des projets de réforme, enfin des réformes de la justice. Parce que c'est tout le temps. C'est la procédure à l'amiable. En fait, c'est donc dans cette loi, c'est pas passé en 2016, mais ils voulaient justement faire. On fait des actes authentiques, nous, les avocats. Ouais. Ouais. Bah oui, mais non, en fait, ça sert pas du tout l'usager. Ça va lui coûter cher et ça va être un truc, vous allez vous arranger entre vous. Enfin, les avocats vont s'arranger entre eux et c'est juste un business pour eux. Parce que c'est hyper développé aux États-Unis avant d'être développé au Canada. Hein. C'est vraiment le règne des avocats aux États-Unis. Et en fait, ils n'arrêtent pas de gratter et de récupérer comme ça. Et tous ces trucs-là, c'est vraiment un truc corpo et business. C'est rien d'autre. Parce que ils peuvent pas dire que c'est l'intérêt général. Ils disent ça parce qu'ils s'arrangent pour faire dysfonctionner la justice. Les avocats compris, parce que ils nous font marrer tout le temps. La justice est lente. En même temps, les demandes de renvoi pour des raisons pas valables du tout, c'est peut-être aussi la faute parfois de magistrats qui donnent. Qui font droit aux demandes de renvoi, parfois vraiment totalement inadmissibles, mais c'est que des demandes de renvoi sur des demandes de renvoi, c'est qui trinque, c'est l'usager, et en plus il trinque doublement parce que son affaire elle prend plus de temps, et l'avocat il facture. Il paye davantage. Un
qui a des collègues parfois, j'ai vu ça aussi dans mes stages, c'est partie des trucs qui me marquent, c'est qu'on prévenait l'usager du report de l'audience à la demande de votre avocat. Comme ça, voilà, il ne pouvait pas raconter des bourres à son client derrière. Donc, ouais, et donc là, la procédure amiable et tout, c'est parce qu'en plus, le code de procédure civile, ça fait des maintenant quelques dizaines d'années qui prévoit que le juge au civil, eh ben, il peut faire de l'amiable. Et que même, il faudrait commencer par la conciliation avant de passer sur le contentieux. Et qu'on ne donne pas les moyens au juge de faire ça. Et c'est ça, là-dessus, le problème. C'est qu'il ne faut pas filer ça à l'avocat, ça. Ça va coûter plus cher, en tout cas à l'usager. Et pour un service rendu bien de moins bonne qualité. Là, on le voit bien sur d'un point de vue rhétorique, tout ce qui est marde, mais en général, c'est un élément de langage qui est très intéressant, sauf qu'ils ne le conçoivent pas comme un service public. Parce que nous, on n'y est pas opposé par principe, si c'est un meilleur règlement. Mais souvent, ce n'est pas pour un service public, c'est pour libéraliser des secteurs. Et... Les conciliateurs de justice. Ouais, tous les associations aussi, qui sont utilisées pour les enquêtes sociales rapides ou autres. Ça on en a parlé avec le FPIC. Ça aussi. Puis dans nos formations aussi, ça. Le ministère, ils n'ont pas voulu nous donner le chiffre en CSA ministériel, mais la formation, là aussi, ils font appel à des sociétés privées pour les formations, et puis évidemment, tout ce qui est technique et compagnie. Donc il y a aussi tous ces acteurs-là. Là, il y a du boulot pour faire du service public de la justice un service public accessible, notamment financièrement. Bien, c'est sûr. Très bien. Très bien. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, merci pour tous ces éléments. N'hésitez pas à nous envoyer si vous avez le temps de nous envoyer une contribution. On fera ça pour la séance, on a déjà des éléments, mais si vous avez le temps, ça vous laisse une bonne semaine pour vous envoyer des éléments, c'est très bien. Merci en tout cas. Après, juste sur notre site, qu'on a entendu par la Cour des comptes et par le Sénat, il y a déjà quelques éléments. Ouais, j'ai vu. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.